Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Et oui, on est de retour sur Vision High Tech. On avait fait un petit break, les vacances. On était parti à Tahiti se reposer. Donc surtout, si vous aimez donc les vidéos Vision High Tech, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. C'est gratuit, ça encourage et ça donne envie d'aller encore plus loin avec vous. Allez, aujourd'hui, on va se faire un petit tuto sur Pages à partir de l'iPhone. Plusieurs tutos à ce sujet. On va découper ça par morceaux et on va étudier l'application Pages entièrement gratuite, entièrement gérable sur iPhone, sur macOS et sur iPadOS. Ça peut être très intéressant. On va voir comment créer un document, comment le mettre en page et tout ceci via la reconnaissance vocale. Alors, c'est parti pour cette vidéo, mais pour l'instant, place à l'intro, c'est parti. Voilà, comme le titre de la vidéo l'a indiqué, on va parler de Pages. Pages, c'est super important, on peut faire de la mise en page, on peut faire beaucoup de choses avec Pages, on peut lire des fichiers sous Word, on peut enregistrer pour que ce soit ouvert sur des ordinateurs avec Word, RTF, des fichiers RTF, des fichiers doc, tout peut être ouvert via Pages, donc aucun problème. Alors pour ceci, vous allez demander à votre iPhone d'ouvrir Pages, ou si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez demander à Siri de télécharger Pages. Télécharger Pages. D'accord, je recherche Pages dans l'App Store. Voilà, tout simplement, Siri est votre ami, vous lui demandez, il va chercher pour vous et vous allez pouvoir donc télécharger Pages, des documents atypiques, 3 étoiles et demi, 2,6 Pages pour iPhone ou pour iPad ou pour Mac. Allez, on ouvre Pages et on regarde qu'est-ce qui se passe. Ouvrir, bouton. Ouvrir, Pages, nouveauté de Pages. Donc tout de suite, on peut s'apercevoir qu'il y a déjà des mises à jour et des nouveautés sur Pages. Modifications précises d'objets. Apportez des modifications à l'aide de commandes plus précises pour ajuster l'aspect et le placement de vos objets. Entrée rapide de valeur. Modifiez des propriétés d'objets, comme la taille du texte et l'espacement, à l'aide d'un nouveau pavé numérique. Sélectionnez facilement plusieurs objets. Touchez des objets ou des cellules d'un tableau pour les ajouter ou les supprimer de votre sélection. Liste de fonctionnalités complète supérieure à. Bouton. Continuez. Bouton. Alors, faut savoir que Pages est quand même l'une des applications ultra puissantes que vous pouvez trouver sur votre iPhone ou sur votre iPad ou sur Mac d'ailleurs, sans problème. On va continuer. Alors, ce qui est parfait dans Pages, c'est que vous pouvez partager vos documents dans le cloud. Vous pouvez donc retrouver tous vos documents à partir de Pages et les rouvrir instantanément. Dès que vous allez faire une modification sur l'un de ces documents, la modification, vous la retrouverez sur votre Mac, sur votre iPad ou sur votre iPhone sans problème. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. La preuve ici, iCloud Drive. Là où vous allez retrouver vos documents que vous avez positionnés. Bouton. Vous allez donc pouvoir ajouter des documents dans votre cloud. Plus. Bouton. On a complètement en haut à droite le petit bouton plus. Sélectionner. Bouton. Et vous allez avoir différents choix. Nouveau dossier, bouton. Vous allez donc pouvoir créer un nouveau dossier. Se connecter au serveur, bouton. Sélectionner, icône, bouton. Liste, bouton. Donc vous allez pouvoir gérer l'affichage dans Pages, soit le mettre en mode d'icône ou en mode liste. Ce qui est généralement plus pratique lorsqu'on est déficient visuel. On préfère que ça soit en mode liste. On continue. Donc tout en bas, vous avez deux onglets. Cet élément, barre d'onglet, récent, onglet, 1/2. L'onglet récent et l'onglet sélectionner, explorer. Et l'onglet explorer. Donc c'est ici que vous pouvez, récent. Si on va dans récent, on retrouvera donc les derniers fichiers que vous avez enregistrés au préalable. Vierge 2, vierge, antivirus, vignette YouTube. Et c'est ici, tout simplement, complètement en haut à droite, ajouter, avoir un petit bouton ajouter. Ajouter, annuler, bouton. Et là, vous allez donc, en appuyant sur ce bouton ajouter, avoir différentes possibilités et différents choix de fichiers à créer qui
qui seront déjà au préalable créés, tels que l'on retrouve sous Microsoft Office. Modèle en tête. Vous avez donc des modèles bien précis et qui sont déjà faits pour vous, ce qui est bien pratique. Vierge, document. Vierge, document vierge en mode portrait blanc. Voilà, donc comme vous pouvez entendre avec VoiceOver, l'accessibilité est hyper top. Standard, en tête, tout voir, bouton, vierge, document vierge en mode portrait blanc. Vierge, paysage, document vierge en mode paysage. Vierge, noir, document vierge en mode portrait noir. Donc on peut même avoir des fonds noirs. Prise de notes, document avec des... Faire de la prise de notes. En fait, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choses ici. Rapport, tout voir, reportage. Document, rapport contemporain, rapport académique, rapport professionnel, dissertation, rapport scolaire, exposé, publication de recherche, rapport moderne, document avec des polices, le contenu, tout voir, bouton, livre, portrait, en tête, livre, tout voir. Donc, livre vierge, standard, guide, document, livre de formation, document, lettres. Des possibilités de faire d'écrire sous forme de livre, lettres, de lettres. CV en tête. De CV et divers. Donc il y a de quoi faire les amis, pas de problème. Il y a vraiment de quoi mettre en place un joli courrier. Page 1 sur 4. On revient sur la première page et moi je vais prendre le premier fichier qui va être le fichier vierge, document vierge en mode portrait blanc. Vierge, document vierge en mode portrait blanc. Je le valide. Vierge, document vierge en mode portrait blanc. Champ de... On arrive donc sur un fichier vierge. Le clavier bien sûr apparaît. Et on a des possibilités de mise en page. Tout ceci se passe sur le haut de votre iPhone. Plus, bouton. Vous partez en haut à droite et tout de suite, vous avez le bouton plus. Collaborer, bouton. Le bouton collaborer sur la gauche. Insérer, bouton. Possibilité d'insérer des images, des différentes choses dans votre document. Format, bouton. Vous avez donc le format. Là, vous allez pouvoir mettre en page votre document tout simplement et en toute accessibilité. Annuler, estomper. Et bien sûr, vous allez pouvoir annuler le document si le document ne vous convient pas. Ok, bouton. Annuler. Format. Bouton. Si je rentre dans format, tout en bas s'ouvre un petit tiroir et c'est ici que je vais pouvoir choisir le format de police, le format si on veut du gras italique, du souligné, du Time News Roman, du, en fait toute la police que vous voulez. Ici. Corps. Police. Gras. Bouton. Italique, souligné, barré, plus d'options de texte, taille, 11 couleur du texte, taille, on peut choisir, ajustable. On peut donc choisir aussi la taille de police, couleur du taille, 11 points, ajustable, 12 barres. Alors, quand vous êtes sur la taille de police, pour la choisir, vous faites glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut pour ajuster la taille de votre police. Couleur du texte, noir 0, bouton. On peut choisir la couleur du texte. Sélectionner, aligné à gauche. Bouton. On peut choisir si on veut que notre texte soit aligné à gauche, à droite, centré ou justifié. Aligné au centre, aligné à droite, justifié, QC-list, supprimé de QC-list. On peut faire même des formats, des documents avec des puces en forme de liste. Supprimé de l'indentation, estompe, indentation, interligne, un colonne, un lettrine. Une fois que vous avez fini tous vos réglages, vous allez un peu sur le haut du tiroir à droite. Ok, bouton. Sur le bouton OK. Votre tiroir de réglage se ferme pour laisser place au clavier. Une fois votre clavier mis en place, on peut bien sûr soit taper via le clavier, via un clavier Bluetooth, ou soit utiliser avec deux doigts un double tap pour entendre et utiliser la reconnaissance vocale. Ou sinon, tout en bas à droite, vous avez le petit micro bouton de dictée qui va vous permettre de dicter votre texte et de le mettre en page au fur et à mesure. Ici, on va faire un exemple. Double tap de doigt. Lorsque j'aurai fini ma dictée, je vais refaire un double tap de doigt, ce qui stoppera la reconnaissance vocale. On va faire ça tout de suite ensemble. Bonjour, virgule, à la ligne. Je vous écris ce courrier car je ne suis pas très content du résultat des travaux de ma maison. Point à la ligne. Pouvez-vous me dire ce qu'il s'est passé dans le garage
virgule, car je ne retrouve plus mes affaires que j'avais posées la veille. Point à la ligne. Merci beaucoup d'avoir pris soin de mettre les échelles à l'extérieur. Point à la ligne. Et surtout, je prendrai contact avec vous le plus rapidement possible, virgule, pour voir si tout a bien été correctement fait. Point à la ligne. Avez-vous fait, au fait, les derniers travaux dans la cuisine? Point d'interrogation. À la ligne. Ici, je n'ai pas trouvé les ustensiles de cuisine que j'avais posés sur la table. Point. Fin du A pensif. G. Insertion de bonjour. Je vous écris ce courrier car je ne suis pas très content du résultat des travaux de ma maison. Pouvez-vous me dire ce qu'il s'est passé dans le garage, car je ne retrouve plus mes affaires que j'avais posées la veille. Merci beaucoup d'avoir pris soin de mettre les échelles à l'extérieur. Et surtout, je prendrai contact avec vous le plus rapidement possible, pour voir si tout a bien été correctement fait. Avez-vous fait ou fait les derniers travaux dans la cuisine? Ici, je n'ai pas trouvé les ustensiles de cuisine que j'avais posés sur la table de cuisine. Point à la ligne. Merci et je vous dis à très bientôt. Point. Insertion de table de cuisine. Merci et je vous dis à très bientôt. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé d'une telle reconnaissance vocale. Alors, si vous voulez vous déplacer, on va se mettre en début de document avec un double tap d'un doigt. Tout simplement, vous positionnez donc sur le texte. Et surtout, je prendrai compte affaire que j'avais posé. Et là, vous faites un double tap d'un doigt. Point d'insertion en début de ligne, affaire que j'avais posé la veille. Donc ici, il vous dit point d'insertion en début de ligne. Nous, on veut se positionner donc en début du document. Donc, on refait un double tap d'un doigt. Point d'insertion au début. Voilà, donc là, on s'est vraiment positionné au début. Maintenant, si vous voulez circuler de mot en mot, on fait le rotor. Signer, annotation, mot malheureux, lien, titre des documents, modifier, décrire les images, mode de saisie, navigation, en tête, reconnaissance de l'écran, débit vocal, sélection de texte, ligne, mot. En étant sur mot, je fais glisser un doigt du haut vers le bas. Bonjour virgule, je vous écris ce courrier, car je... Si je veux faire épeler... Ne suis pas très content. Si je vais épeler content, caractère. Je me mets sur caractère et là je glisse un doigt. Espace, content. Donc faut bien être en début de mot et ici je mets sur caractère. Caractère. C-O-N-T-E-N-T. Voilà, donc on peut vraiment se faire épeler des mots sans problème. T-N-E-T-N-O. Oscar. Si je veux sélectionner ce mot. Action. Signer, annotation, mot mal orthographié, lien, titre des documents, modifier. Je me positionne sur modifier. Commenter, insérer, sélectionner, surligner, format de texte, format de page, tout select. Commenter, insérer, sélectionner, surligner, sélectionner. Je me positionne sur sélectionner. Une fois que je suis sur sélectionner, je valide double tap. Content, sélectionner. Donc, j'ai sélectionné mon mot « content ». Si je veux le mettre, par exemple, en gras. Décrire les images. Modifier. Je me positionne sur « modifier ». Surligner. Style. Supprimer. Définir. Tout select. Commenter. Lien. Format de texte. Je me positionne sur « format de texte », que je valide avec un double tap. Texte. Et ici, tête, police, gras, bouton. Je peux mettre en gras que le mot « content ». Ici, on va regarder de près. Je vous le mets vraiment de près. Sélectionner gras. Une fois que j'ai sélectionné gras, je pars par rapport à ce tiroir sur le bouton OK. OK, bouton. Et regardez ce qui se passe sur le mot content. Canva, corps, champ de texte, modification en cours, compte bien été correctement fait. Et surtout, je prendrai contact avec vous le plus rapidement possible pour voir si tout a. On va vérifier si le mot content est bien écrit. Et surtout, car, pouvez, ne suis pas très content, gras, Helvetica ne. Content, gras, Helvetica ne. Donc, on a bien entendu que content a bien été mis en gras, sans problème. Une fois ceci fait, vous allez donc sur le bouton plus, en haut à droite. Activez le mode plus, bouton. Lorsque vous allez valider plus.
Différentes options vont s'ouvrir à vous. Ok, partager, exporter, imprimer, exporter, bouton. On va donc exporter notre document. Partager. Ou on peut le partager si on le désire. Exporter, PDF, plus, bouton. On peut donc l'exporter sous différentes extensions. Exporter, ok, PDF, Word, EPUB, RTF, Model Pages. Voilà, donc c'est vous qui choisissez ici l'extension pour que cette extension soit compatible avec vos collègues ou avec les personnes à qui vous voulez partager ce document. RTF, EPUB, Word. Je vais dire qu'il soit en Word. Word. Annuler. Création du document. Vierge 3, document. Ensuite, vous pouvez l'enregistrer sur votre fiche, dans votre dossier fichier sur votre iPhone ou le partager avec n'importe quel de vos collègues. Et ça, c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette façon de faire avec Pages. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision High Tech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.